va visiter l'école de bébé Milo. Yes, sir. Go. Pourquoi tu me filmes? Dis-moi ce que t'as fait avec les œufs. Non mais alors faire des courses avec Joe. Elle est go, ça me saoule déjà faire des courses. En plus, tu viens de faire. Non mais vas-y, t'as fait quoi? Déjà, je t'accompagne à faire des courses. Ouais, bah j'ai dû négocier 20 ans. Du coup, t'as fait quoi? J'ai mis les œufs tout en dessous. Bah ouais, bah moi je fais pas les. Il a mis les œufs en dessous. En dessous du paquet. Et là, il va. Ouais. Allez. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bébé, tu prends le reste? Donc voilà, il a retiré le truc. Il a vraiment mis les œufs tout en dessous. Toujours plus en premier. Vas-y. Il y avait tout ça dessus. On va voir. Oh là là. Moi, je dis, ils sont impeccables. Alors. Maintenant, fais à manger, s'il te plaît. Non, tu fais à manger. J'ai un peu d'avis. Si. Ah non, si, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais pas faire à manger. Bah, t'as juste à me faire chauffer une soupe. Appelle un cuistot. Allez, s'il te plaît. Tu me fais à manger. Vas-y, je te fais à manger. Vas-y. Bon les filles, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui peut vraiment vous intéresser, qui m'intéresse beaucoup aussi aujourd'hui, c'est les ongles. J'ai des ongles, c'est plus du tout possible, il faut que je me fasse une manucure et rien de tel que d'avoir une manucure à domicile. J'ai Coco Nails. Coco Nails, c'est vraiment le kit hyper complet pour avoir des ongles super et pour être belle jusqu'au bout des ongles. Donc alors voilà, moi je trouve que c'est le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. On a le base coat, le top coat. Vous offrez ça pour les fêtes et franchement c'est canon. Vous avez la lime à ongles, vous choisissez vous-même vos couleurs. Et en tant que fille, je peux vous dire que ça fait plaisir de recevoir ce genre de cadeau. Ou de se l'offrir à soi-même. C'est d'une simplicité. Donc là, je branche ma petite lampe. Voilà, elle s'allume. Je l'ai branché sur ma ring light, donc c'est génial. Ce que je fais, c'est que je commence par mettre le base coat. Je mets le base coat partout, je fais sécher, je mets la couleur partout, je fais sécher, je mets le top coat partout, je fais sécher. Et l'affaire est jouée. J'applique ma base coat. Donc il faut savoir, c'est que Coco Nails, c'est une marque française non testée sur les animaux. Tous les produits sont vegan, c'est simple d'utilisation, c'est une qualité professionnelle. C'est une tenue de 21 jours. Franchement, vous ne serez pas déçus. Hop, je mets ma petite lampe et c'est parti. Donc maintenant, je passe à la couleur. C'est parti. Donc pour les filles qui ont des ongles trop courts ou abîmés, Coco Nails a la solution pour vous. Les extensions en fibre de verre, c'est la seule technique qui n'abîme pas les ongles et qui vient les renforcer. Donc vraiment, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Bon, moi, j'ai de base des mains hyper sèches, hyper striées. Mais c'est clair que... c'est quand même mieux quand c'est habillé. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre le top coat et l'affaire est jouée. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez un tuto en ligne si vous avez la moindre question. Ils vous répondent direct. Enfin, vous avez donc le tuto et ils ont un chat aussi en ligne. Et ils vont répondre direct à la moindre question. Ça, c'est trop bien. Bon, j'ai appliqué mon top coat. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à sécher en dessous de la lampe. Donc c'est trop cool, franchement c'est pratique, c'est rapide, ça tient bien, c'est une bonne qualité, c'est trop cool. Et vous avez la livraison qui est offerte, gratuite, rapide et offerte avec Colissimo, donc c'est cadeau. Et vous avez moins 60% sur tout le site, c'est énorme. Et en plus, pour les fêtes de Noël, bah voilà, vous avez une énorme offre et à partir de 49€, vous avez des cadeaux. Donc voilà, ça peut être une lime à ongles comme ici, une petite trousse Coco Nails, des extensions de fibre de verre, enfin vraiment trop bien. N'hésitez pas à en profiter. Bon là, on va récupérer les petits boys et on va à l'anniversaire de Chelsea et London. Donc c'est bien, Milo va pouvoir jouer du côté de Chelsea et Mathéo côté de London. C'est la crème. C'est tout bon.
Bon, les amis, aujourd'hui, on est allé à l'anniversaire de Chelsea et London. Donc voilà, ils ont fêté leur anniversaire en même temps. Et il y avait plein de friandises. Et moi, je raffole des friandises. C'est vrai que j'aime le chocolat. J'aime être un peu gourmande quand même. Je l'avoue. Et du coup, je vais vous proposer une petite box pour tous les gourmands qui me suivent. Ça s'appelle la Yum Box. Vous allez découvrir des friandises, des nouveautés chaque mois. Vous allez recevoir votre Yum Box chez vous. Donc des chocolats, des friandises, des bonbons. Et ça, tous les mois, chez vous, pour seulement 1 euro. 1 euro pour tester les produits tous les mois de chez Yum Box. C'est juste un truc incroyable. Donc c'est sans engagement de durée, les stocks sont limités. Le site existe depuis pas mal d'années, donc vous pouvez clairement leur faire confiance. Et vous allez découvrir tous les mois des nouveautés, mais surtout vous avez des grandes marques à l'intérieur de cette box, comme Souchard, comme Kinder, comme Ferrero Rocher, comme M&M's. Enfin tout ça, on adore. En plus, c'est fête de fin d'année. Et c'est le mois où vraiment la tentation est là, où on craque un peu tous, parce que faut savoir aussi profiter. Et cette box, elle est juste incroyable pour les gourmands. Moi, j'adore. Ce qu'il faut vraiment que vous retenez, c'est que vous allez tester votre box pour seulement 1 euro. Maintenant, je vous montre ma petite box Yum Box, qui est juste une tuerie. Et ensuite, je vous montre comment aller sur le site internet. Franchement, c'est super simple. Il suffit de cliquer ou de swiper et à vous de jouer. Bon, on a récupéré les garçons. On va à l'anniversaire. Ouais, Nona boucle. Je crois qu'il allait voir Papa Nona. Non, next week, next week. Avec Jou, on a regardé, on a regardé, on est encore dessus. Croatie-Brésil. Alors, c'est un match de fou. Autant le match en lui-même, les 90 premières minutes, voilà. Mais les prolongations sont bien meilleures. Ça fait 1-1. Ah ! Ça fait 1-1. Et je disais sur Instagram que on allait repartir au pénalty. Tout le temps. Hein. Avec Joe, on est là. Ça fait le troisième match. Ouais. Cette semaine qu'on regarde à deux, là. Un gros coup de tard. Ouais. Bon, ça va, ici, il est 21h30. Hein ? Après, on regarde un film. Oui, après, on regarde un film dans le lit. Mais du coup, ouais, on a les prolongations, les pénalty. Il reste 2 minutes. Mais là, la Croatie, elle revient de loin, loin, loin. Et ça, c'est l'histoire de notre vie. C'est la télé française qui bug. Ça me rend dingue. Bug. Ça me rend ouf, même. Bug. Je pourrais m'énerver. Bug.
Du coup, c'est un peu relou, tu vois, de regarder. Bon, allez, reste une minute. Bye. On va le voir vraiment si vous. Ah. C'est bien tiré. Ils ont un vrai gardien. Ah! Ça a bugué. Du coup, on était en retard. Ah, moi, tir au but, c'est parti. Voilà, tir au but. Mais non, le Brésil, vous abusez, frère, c'est la Croatie. Mais il joue bien la Croatie, t'es ouf. Ouais, mais bon, c'est le Brésil, enfin. Enfin, je suis content pour les Croates en vrai. C'est super pour les Croates. En gros, ça fait une grosse équipe éliminée pour l'équipe de France en vrai. Bah ouais, mais si les Croates les ont battus, c'est-à-dire que ouais, les Croates sont quand même une bonne équipe. Hein. Waouh. Les gars, vous avez trop d'étoiles, les Brésiliens. Faut laisser la place.